Yo les potes Sensio, nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre mon code créateur Ensio dans la boutique Fortnite ou Rocket League, c'est pareil. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, c'est parti pour la vidéo. Alors, du coup, déjà, je vais vous montrer vite fait dans l'onglet compétition. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de quoi on va parler, mais vous avez vu dans le titre. En gros, il va y avoir une compétition. Et aussi des skins, etc. Des danses gratuites. Enfin bref, ça va être trop bien. Premièrement, déjà, les compétitions. Vous avez la coupe Pelé le 20, le 21, la coupe Manchester City, FaZe City, la coupe AS Roma, la coupe AC Milan, la coupe Inter Milan. Et il y en aura sûrement d'autres. Donc voilà, déjà, ça c'est les premières coupes. Durant cette coupe, vous allez pouvoir normalement gagner une emote gratuite. Voilà. Les meilleurs joueurs gagneront l'emote célébration de Pelé et l'ensemble coupe d'envoi. Donc vous allez gagner un ensemble plus la l'emote célébration de Pelé que je vais vous montrer juste après, vous allez la voir. Du coup voilà, c'est plutôt sympa. Et après pour les autres coupes, vous gagnerez l'ensemble coup d'envoi. Donc c'est pareil qu'il y avait ici. Donc autant faire toutes les coupes pour gagner l'ensemble. Je sais pas du tout c'est quoi l'ensemble, c'est sûrement des skins je pense. Bref, du coup voilà pour la compétition. Maintenant je vais vous montrer le trailer. Vous êtes prêts? C'est parti pour le trailer. Olha, é impressionante porque na realidade foi uma explosão de alegria que me levou naquele momento, depois do gol, sair dando um soco no ar porque eu achei foi uma jogada muito, muito bonita. Se me perguntar se foi uma das coisas mais importantes da minha vida, eu vou dizer foi, porque até hoje eu fiz vários movimentos em outros gols, fiz vários gols diferentes, mas esse foi o que ficou registrado no mundo inteiro. Foi uma explosão. Alors, du coup, relégat, du coup, vous avez vu le trailer, il est un peu chelou, je vous l'accorde. Du coup, à la fin, vous voyez bien, c'est la chaîne Fortnite. Bref, à la fin, on voit, regardez bien, ça c'est les skins déjà, et ils font la danse. Voilà, je vous remontre, regardez bien la danse. Voilà, elle est pas ouf, elle ressortira peut-être en boutique à 200 V-Bucks. Je vous la remonte vite fait. En gros, c'est juste les skins qui sautent et qui dansent. Enfin, ils sautent et ils font un truc de victoire. Donc, déjà, vous pouvez voir trois skins de foot, voilà, Pelé Fortnite avec cette belle image. C'est très stylé. Ensuite, on passe à la suite. Ensuite, alors, vous avez déjà sur Epic Games, donc on peut voir la coupe. Donc déjà, on peut voir trois skins ici. Attendez, avant de vous parler de tout le reste, je vais vite fait vous dire le plus important. Ce soir, à 20, pas à 20h, mais le 20 plutôt, le 20 janvier, normalement, il y a tous les skins de foot. Donc, pas les anciens skins parce qu'ils sont déjà sortis il n'y a pas longtemps, mais les nouveaux. Donc voilà, ceux-là. Entre guillemets, cela avec la danse Pelé. Normalement, tout sort le 20 ou peut-être le 22, vu que les compétitions sont le 20 et le 21. Donc, en tout cas, soyez prêts. Entre le 20, le 21, le 22 ou le 23, tous les skins de foot comme ça vont sortir. Du coup, là, on avait le trailer. Hop, bonjour à tous les fans de Fortnite et de football. Pour commencer 2021 avec style, le monde de football s'invite dans Fortnite. Les amateurs du ballon rond pourront mettre la main sur l'ensemble coup d'envoi. Et sur l'emote célébration de Pelé le 23 janvier. Ah, d'accord. Donc confirmation. Ou sinon, avant, en participant à la coupe le 20 janvier. Ok. Donc le 23 janvier, vous pourrez avoir tout en boutique. Donc voilà, vous avez toute la boutique. Et avant, le 20 janvier, vous pouvez avoir l'emote. Donc que l'emote le 20 janvier. Et le skin aussi, mais je veux dire surtout l'emote. Et après, le 21 janvier, ce sera juste le skin, donc pas l'emote. Hop. Du coup, à partir du 23 janvier, vous pourrez choisir parmi 10 variantes de tenues différentes, hommes et femmes, pour représenter votre club préféré. Donc, il y aura 10 skins, c'est confirmé. Chaque tenue pourra être modifiée avec 23 clubs du monde entier avec lesquels nous sommes associés. Alors, les clubs proposés suivants: Manchester City, Juventus, AC Milan, Inter Milan, AS Roma, Sounder FC, Atlanta, Los Angeles, Santos, Wolves, West Ham United, Sevilla, Sporting, Borussia. Schalke, Wolfsburg, Rangers, Celtics, Cerezo, Melbourne, Sydney, Western, Bahia. Donc les plus connus évidemment c'est ceux-là, voilà jusque-là à peu près. Manchester, Juventus vous connaissez tous. Hop, on peut voir des petits skins.
emote de célébration. Nous avons également noué un partenariat avec la légende de football brésilien Pelé, vous le connaissez très sûrement, pour intégrer son célèbre geste de victoire dans le jeu. Donc, quand il fait un but, vous savez sa célébration, célébration de but. Fêtez votre victoire royale de la même manière que Pelé a fêté ses 1282 buts de son incroyable carrière. L'émo célébration de Pelé sera disponible dans la boutique d'objets le 23 janvier. Participez à la Coupe Pelé, donc ça c'est le 20 janvier, pour gagner l'ensemble et aussi l'emote gratuitement. Voilà. Jouez à votre propre tournoi de football dans le mode créatif. Donc ça sera encore quelque chose d'autre. Bref, vas-y, je vous lis vite fait. Alors, tant que vous êtes dans le jeu, vous n'hésitez pas à essayer votre nouvelle île du mode créatif inspirée par la thématique du football, disponible à la une dans l'accueil créatif. Utilisez votre propre corps, votre pioche, des bonus, de l'accélération et plus encore. 4 contre 4. Chaque partie comporte deux manches. Et les vainqueurs passent à 1. Ok. Je vais lancer Fortnite pendant ce temps-là, vite fait, les gars. Créatif. On va voir s'il y a ou pas. Mais je pense que quand il y aura, ça sera dans les modes directs. Pas besoin d'aller en créatif. En attendant, je vais lancer le créatif vite fait. Du coup, voilà, on peut voir les coupes. Ici, on peut voir des petites images. Regardez bien. Voilà. Avec différents clubs. Il n'y a pas encore tous les clubs qui sont montrés, mais il y en a pas mal. Hop, ça c'est le créatif apparemment. Ok, c'est joli. What the fuck? Marshmallow. Ça c'est fake, je pense. Bref, on n'en est pas là. Mais ça c'est fake, ça. Ceux-là, normalement, c'est pas des skins, les gars. Ça c'est juste des images. Hop, ça va être les nouveaux skins. Voilà, je vous les montre. Moi, je vais acheter celui-là, moi. Hop. Ensuite, ici. Après, ça, c'est les couleurs des maillots, c'est les images. Enfin, c'est les équipes, vous pourrez tout changer. Bref, voilà. Hop, on va enlever ça. On va lancer Fortnite direct. Hop, je suis dans le créatif. Du coup, voilà déjà l'accueil créatif de Pelé. C'est incroyable. Ça, c'est, je crois, des stats de foot et tout. Player facilities. Il y a sûrement beaucoup d'easter eggs dans la map. Je vais pas vous les montrer, genre, je suis pas là pour ça. Mais du coup, voilà. City of Steel Open World Exploration. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Millionaire Tycoon. C'est pas ça non plus. Oh, je cherche la map de Pelé. Oh, c'est ça, je crois. Je crois c'est ça. Ouais, c'est sûr. Attendez. Ouais, je suis presque sûr. 1v1 Football Arena. N'empêche, la map est très stylée. Wow! Si vous voulez faire un petit 1v1. Ok, on a visité le terrain vite fait. Franchement, c'est joli. Oh, j'aime bien les petites plantes. Là, on a la petite map. Les petites chaussures. Et franchement, c'est pas mal. Ouais. Du coup, c'est tout, je pense. Je vais pas faire ça. Du coup, voilà, je vous ai donné absolument toutes les infos dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à liker, à vous abonner. Et pensez au code créateur NCU dans la boutique Fortnite. Ciao!